Dans la vidéo qui suit, vous allez voir Gypsy, montagne des Pyrénées, un mâle de 3 ans. Une super de belle bête, un gros toutou. C'est un chien qui peut être... Les personnes qui l'ont, ça fait quelques mois qu'ils l'ont. Là. Ça fait pas si longtemps que ça. Puis la raison que s'en départit finalement, c'est parce qu'eux, ils ont une écurie. Il y a beaucoup de personnes qui passent justement pour venir voir les chevaux, faire des chevaux. Et ça ne fonctionne pas avec Gypsy. Avec eux, là, c'est un amour, c'est un gros toutou. Il dit qu'il se met sur le dos, il se fait flatter la bedaine. Mais... c'est ça, il va falloir qu'il y ait un foyer où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent. Parce que Gypsy va avoir sa petite routine, ses petites personnes. C'est un chien qui semble anxieux aussi. Parce que dès qu'il est tout seul, il se met à japper, à aboyer beaucoup. C'est sûr qu'on ne recherchera pas quelque part là, qu'il va être seul en ville. Là. C'est pour ça qu'on va plus rechercher un foyer là, à l'extérieur, un petit peu plus à la campagne. C'est un chien aussi qui a toujours habité à l'extérieur. C'est un chien qui est habitué d'habiter à l'extérieur. Ses tuteurs, là, présentement, là, disent que quand il rentre dans la maison, ce qu'il fait, c'est qu'il attend sur le bord de la porte pour pouvoir sortir. Donc, il est bien dehors. Été comme l'hiver, il est bien dehors. Présentement, il dort dans un box pour chevaux là, la nuit. Puis, ça va bien. S'il le laisse dormir dans l'enclos extérieur avec une niche, là, il jappe toute la nuit. Et dès qu'il rentre dans le box pour les chevaux, là, il est content. Donc, on voit qu'il y a des petites particularités Gypsy. C'est pour ça que ça ne sera pas un chien là, pour tout le monde. C'est pas un chien qui va être fait pour la ville. Donc, c'est un chien à la campagne, quelqu'un qui va avoir une installation extérieure où est-ce que Gypsy va pouvoir s'épanouir dehors parce que c'est là qu'il aime Gypsy être dehors. Mais il va falloir que ce soit quelqu'un qui n'ait pas trop de nouvelles personnes qui viennent. Qui ait ses personnes, sa petite routine. Et là, Gypsy va être heureux. Donc, vous allez voir les images qui suivent. L'évaluation de Gypsy. L'évaluation de Gypsy, un montagne des Pyrénées de 4 ans qui est très très colleux. C'est un gros toutou, un gros nounours qui a beaucoup d'affection. Par contre, il a certaines difficultés. Il peut être imprévisible envers les personnes qu'il ne connaît pas. Il a déjà mordu légèrement le bras d'une personne dans un contexte probable de protection de ressources lorsque la personne était venue lui enlever le collier dans l'enclos. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui a déclenché cette morsure-là. Mais c'est une supposition qu'on a. Avec les autres chiens, il peut super bien réagir, mais si le chien a tendance à être un petit peu trop intense, lui sauter dessus ou l'embarquer, ou embarquer par-dessus lui, Gypsy peut se fâcher et plaquer le chien au sol directement. Mais on l'a testé avec les chiens, vous allez voir que ça se passe quand même bien. Si le chien est indifférent face à Gypsy, Gypsy va être indifférent également. Si le chien veut jouer, Gypsy peut jouer également. En promenade, ça se passe quand même très bien. Gypsy regarde un petit peu les choses qui se passent autour. Il n'a pas tendance à réagir face aux chiens, face aux personnes qui ne s'intéressent pas à lui, qui ne s'approchent pas face à lui. Alors, tant que ça se passe autour de son environnement, mais pas directement dirigé vers lui, ça va bien. Si par contre quelqu'un s'approche directement de lui de façon imposante, si un chien s'approche de lui de façon imposante, il peut réagir de façon agressive là-dessus. Il est très curieux, il aime sentir beaucoup, alors en laisse, il va justement avoir le nez souvent à terre. À ces moments-là. Il fait un tout petit peu d'anxiété de séparation également. Il peut chigner un tout petit peu et japper lorsqu'il est laissé tout seul. Mais dans certains contextes, lorsqu'il est à l'aise dans son environnement, ça se passe très bien. Il était habitué à dormir dans un box de cheval et il faisait super bien ça.